Dans ce numéro d'Au cœur des missions, nous faisons un focus sur l'œuvre du premier couple missionnaire qui a été envoyé par la CMCI Côte d'Ivoire à travers la nation, précisément dans la région du Bas-Sassandra. Ils étaient basés à San Pedro, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette œuvre a grandi pour atteindre plus de 10 000 membres, et ce, dans plus de 300 églises de maison. Il s'agit du couple Emmanuel et Lucie Kouaou. Ces 10 000 membres qui ont été atteints ont fait objet d'une fête de la conquête tenue du 14 au 16 avril 2023. Et c'est cette fête qui sera le point central de notre numéro du jour d'Au cœur des missions. Ce n'est pas 10 000 disciples, Seigneur Jésus, nous avons échoué. On n'a pas à se glorifier d'un chiffre. S'il y a quelque chose dont nous devons nous glorifier, c'est une œuvre qui est à l'image du Seigneur Jésus. Si Jésus n'a pas son empreinte dans ce qu'on a fait, là c'est quelque chose qui a balayé. Dans la conquête, la prière et puis ajouter le jeûne sont des instruments les plus puissants pour la conquête. Et je promets à Dieu de demeurer dans l'élan que il m'a donné. Je vais continuer toujours de jeûner pour que l'œuvre avance. Louange, action de grâce et célébration à l'Éternel pour l'atteinte de 10 000 membres et planification de l'avenir de la conquête. Réviver la fête de la conquête de la CMCI dans la région du Bas-Sassandra dans le nouveau numéro d'Au cœur des missions, ce dimanche à 21h sur la RTVC, la chaîne de la Bible.